Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Toutes ces portes, je me demande où elles mènent. Et je me demande comment on est arrivé ici. Laissez-nous sortir, allô? Bienvenue dans la salle aux portes, derrière lesquelles des punitions ou des bonus vous attendent. Chacune d'entre vous a la possibilité d'ouvrir l'une des trois portes à son tour et de sortir d'ici. Vous ne pouvez sortir que par la porte marquée « Sortie ». Vous ne pouvez pas courir hors des portes qui s'ouvrent. Vous devez ouvrir les portes à tour de rôle, sinon vous serez puni. Mais qui êtes-vous? Et pourquoi vous nous faites faire ça? Eh oh, c'est à vous qu'on parle! On dirait vraiment qu'ils nous ignorent. Je sais pas pour vous, mais moi je vais pas rester ici. Suffit d'ouvrir une porte et on s'éclipse. Ah! Mais c'est quoi cette poudre? Du calme, c'est seulement de la farine. T'es aussi blanche qu'un fantôme. Oh, maintenant j'ai de la farine dans les narines. C'est dégoûtant. Je vous ai prévenu, ça ne peut que s'empirer. Il n'a pas l'air de plaisanter. Qu'est-ce qu'on devrait faire? J'en ai aucune idée. Si nous voulons sortir d'ici, nous devons jouer son jeu, les filles. Mais nous devons choisir les portes avec soin. La farine, ce n'est que le début. Personnellement, moi, je n'ouvrirai pas du tout ces portes. Vous avez oublié ce que la voix a dit? Nous ne pouvons pas sortir d'ici ensemble. Chacune... Et nous devons ouvrir les portes une par une, sinon nous serons toutes punies. Il va falloir se séparer alors, comme dans une compétition. D'accord? Qui veut être la première? J'ai une idée, on pourrait jouer à roche-papier-ciseaux pour décider qui va aller en premier. Roche-papier-ciseaux, 1, 2, 3! Ah, gagné! Alors c'est moi la dernière à ouvrir une porte. Allez Alice, c'est toi et moi. Roche-papier-ciseaux, 1, 2, 3! Ah, j'ai gagné, alors je serai la deuxième à ouvrir une porte. Eh bien j'espère que j'aurai de la chance et que je trouverai la sortie du premier coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a la couleur brun, on dirait de la terre. Dégoûtant, j'espérais des pépites de chocolat. Allez, c'est à toi, Amelka. Je vais ouvrir celle-ci. Pourquoi? Regarde comme elle est petite. Je ne pense pas que tu puisses sortir de là, c'est pas une sortie. C'est une astuce pour que nous ne l'ouvrions pas. Elle a raison. Si j'avais construit une telle pièce, moi aussi je ferais une porte étrange pour la sortie. Dans ce cas, il ne sert à rien d'ouvrir de grandes portes car il a toujours un piège à l'intérieur. Grande porte veut dire grand piège. Allez, Amelka, ouvre-la. C'était quoi ce truc? Je crois que c'est du kéfir qui a tourné en vinaigre. Tu dois te laver de toute urgence, sinon tu vas te puer encore plus. Mais je peux me laver avec quoi? Il n'y a même pas d'eau. Peut-être qu'une des petites portes cache une bouteille d'eau. Moi, je commence à avoir soif. On devrait regarder. Oh, on pourrait peut-être obtenir une prime. C'est à ton tour, maman. Tu es la plus propre jusqu'à présent. Je crois que seules les punitions nous attendent dans les petites portes. La sortie doit se trouver dans une grande porte. Par exemple, celle-ci. Oh! Nouveau t-shirt, il est tout abîmé. Oh! Mais au moins tu ne plies pas le kéfir aigre. Je suis pas trop sûre, le fromage c'est pas la meilleure odeur. Allez Alice, c'est à ton tour. J'en ai aucune idée, quelle porte je devrais choisir? Oh, regardez celle-là, elle est pas comme les autres. C'est la seule porte de cette pièce qui est horizontale plutôt que verticale. Une issue peut-être? Bien, laissez-moi voir. Oh, je ne reçois rien, ça doit être la bonne porte. Oh, laissez tomber. Porc, qu'est-ce que c'est? L'odeur n'est pas très bonne. Ce sont des algues, je crois. D'abord de la terre, maintenant des algues. C'est comme si on était allé dans le jardin. Je sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais moi j'adore les algues. Ah, tu plaisantes sans doute. J'ai un goût étrange. Je plaisante pas, vous voulez en goûter? Non merci, je préférerais manger des pâtes pour le dîner. Et moi je préférerais rester affamée plutôt que d'avaler ça. Comme vous voulez, plus pour moi. Oh, c'est mon tour à nouveau. Je vais essayer d'ouvrir cette porte violette. Et pourquoi la porte violette? Parce que c'est ma couleur préférée. Ah! Ce sont des plumes! Oh, on dirait que t'es un oiseau. Alors tu vas chanter à 5h du mat pour nous réveiller, c'est ça? Attention, je vais te donner un coup de bec. Ah, c'est bon, je plaisantais. Amelka, tu m'as donné une super idée. Je vais aussi choisir ma couleur préférée. C'est celle-ci, la rouge. Pourquoi rouge? Parce que c'est le bouton sur lequel les téléspectateurs doivent cliquer pour s'abonner à la chaîne. C'est clair? Bon, assez parlé. J'ouvre la porte. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sauvez-moi! Pousse-la! 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 Poussez-la! Bougez-vous! Bougez-vous! Sortez! Sortez! Oh, j'ai eu la peur de ma vie! Peut-être que c'était un abonné mécontent. Non, ça n'existe pas, ça. Désormais fini, je n'ouvre plus de grandes portes. Ouais, sois un fou mécontent qui nous court après ou du kéfir. Bien, assez. Continuons. C'est à mon tour de choisir une porte. Oh, oh non! Oh, ferme-la! On dirait que t'as trouvé une autre porte vers le poulailler.
C'est pas juste. Pourquoi ils ont jeté des plumes sur toi et des œufs sur moi? Parce que t'as mangé du poulet au déjeuner, ils le sentent. Mais pourquoi des œufs? Je déteste les œufs. C'est la pire chose qui puisse se trouver derrière une porte. Mais voyons, ce n'est rien. La prochaine punition remplacera l'odeur par une nouvelle. J'aimerais bien que la prochaine porte contienne la sortie. C'est mon tour. Je vais essayer d'ouvrir une autre petite porte. Mais pourquoi? Tu ne peux même pas y entrer. Il pourrait y avoir un bonus utile, par exemple un indice clé. Si j'étais toi, je la toucherais pas. Tu n'obtiendras rien de bon d'une telle porte, Amelka. Je l'ouvre. Ce ne sont pas des grenades, mais des canettes de coca. Super, c'est la meilleure chose qu'on a eue d'une porte. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, regarde, tu es toute salie. Non, regarde, j'ai pris un bain au coca. T'en veux aussi? Non, c'est une mauvaise idée, il y a beaucoup de sucre dans le coca et tu seras toute collante après. Peut-être que c'est du coca diète, c'est quand même mieux que d'être dans la terre et les choux. Non merci, je vais me contenter d'une douche quand je serai sortie d'ici. Imaginez la chance de celle qui sortira en premier. Oui, il pourra prendre un bon bain et se laver de toutes ces saletés. J'attends ce moment avec impatience. Bien, c'est mon tour d'ouvrir. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait des crackers. Ça irait bien avec un cola. Des crackers qui sentent la saucisse. Bizarre. Mais non, c'est tout plein de produits différents. Il y en a assez pour un pique-nique ici. Maman, t'es vraiment chanceuse. Chanceuse? De quoi tu parles? T'es la seule personne sèche dans cette pièce. Ah ouais? Et qu'en est-il du fromage et des pâtes? Ils n'ont rien à envier à la farine et aux œufs. Pour le kéfir et le cola. On devrait peut-être se faire un câlin. Ouais, que maman devienne aussi sale que nous. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas, c'est pas ma faute si j'ai eu de la chance. Câlin, câlin. Vous approchez pas ou j'ouvre la porte et nous serons toutes punies. Non, 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 fais pas ça. Trop tard. Devez ouvrir les portes une par une. C'était votre punition. Que je ne vous revois plus personne. Une punition? Ça, c'était un vrai bonus. Seule une porte qui contient la sortie serait mieux que ça. Nous avons déjà ouvert la moitié des portes. Ce qui veut dire que la sortie s'approche. Super, cette nouvelle m'a immédiatement remonté le moral. Oh, regardez, j'ai trouvé un jeu. Jouons à celui qui salit le plus, d'accord? Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. C'est parce que t'es la plus propre. Tout de même, beaucoup de choses désagréables vont se déverser sur nous et ça sera plus amusant. Bon, allez Alice, c'est à ton tour. Choisis une porte. Mon intuition me dit qu'il y a quelque chose derrière celle-là. Voyons. Ah, oh non, pas des haricots, je déteste les haricots. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant avec les haricots? Les haricots eux-mêmes ne sont pas terribles, mais leur sauce est dégoûtante. Ça ressemble à de la bave de troll et l'odeur est tellement nauséabonde qu'il suffit de la sentir pour s'en rendre compte. Non, c'est bon, je te crois. On n'a pas besoin de faire ça. Ouais, pas la peine. Où est la porte avec l'eau? Je veux me laver. C'est dégoûtant. Non, c'est contre les règles. D'accord, alors j'attendrai mon prochain tour et là, je l'ouvrirai. Amelka, c'est à ton tour. C'est là. Mais qu'est-ce que c'est? La crème chantilly? Je crois que c'est un serpentin. C'est la première porte qui contient quelque chose de non comestible. Ah bien, c'est bon, considère-toi chanceuse. La chance, c'est d'ouvrir la porte avec la sortie. Mais vous savez quoi? Peut-être qu'il nous a menti, peut-être qu'elle existe même pas. Ne dis pas ça, ça va me faire paniquer. Et si Alice dit vrai et qu'on ne sortira jamais d'ici? Merde, regardez mes chaussures. Et les miennes aussi. Jusqu'à présent, j'ai eu de la chance, alors j'ouvre cette porte-là. Ah, plus de chance. Ah, t'es aussi mouillée que nous maintenant. Faisons-nous un câlin. C'était quoi, de la sauce soya? Non, je crois que c'était plutôt du cola. Oh, c'est dommage ça. Pas si pire, au moins l'odeur n'est pas nauséabonde. Mais ce truc va te coller, tu vas te transformer en caramel. Vraiment? Oh, je n'aime pas ça, je dois trouver un moyen de sortir rapidement tant que je peux encore bouger. Je vais essayer une autre porte. Regardez comme elle est belle celle-là. Comment peut-il y avoir quelque chose de mauvais là-dedans? Waouh! Maintenant, tu t'es vraiment transformée en gâteau. Ça, c'est de la crème chantilly. C'est délicieux, mais je dois me laver. Tu t'es trompée, t'avais dit que tu ouvriras la porte avec le pistolet à eau. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Amelka, tu peux l'ouvrir? Je suis désolée, Alice, mais je peux pas t'aider. Je veux vraiment trouver la sortie. Facile à dire. Ton visage n'est pas transformé en gâteau, toi. Je vais ouvrir celle-ci.
c'est un bonus. Je crois que tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois et ensuite tu dois le jeter. Une fois, c'est bien aussi. C'est à ton tour, maman. Je vais ouvrir celle-ci. La sortie. Oh, j'ai trouvé la sortie. Finalement, je vais pouvoir me laver. Attendez, il n'y a qu'une d'entre nous qui peut sortir. J'ai trouvé cette porte, alors c'est moi qui sors en premier. Tu nous laisseras pas ici, maman. Bien sûr que si, mais je te soutiendrai de l'autre côté, dans un peignoir moelleux après une douche. Voilà, au revoir. Il ne reste que toi et moi. Mais maintenant, au moins, on sait qu'il y a vraiment un moyen de sortir. Allez, Amelka, il ne reste plus beaucoup de portes. Je crois que nous allons bientôt pouvoir sortir d'ici, toi et moi. C'est ton tour, Alice. Qu'est-ce que t'attends? Ouvre-la! Je ne sais pas, Amelka, j'ai peur. Et si c'était encore de la crème chantilly? N'aie pas peur, la même punition n'arrive pas deux fois d'affilée. Ah! Oh, de l'eau! Ouais! Ton souhait s'est réalisé. Sois heureuse. Je n'aurais jamais pensé être aussi réjouie d'avoir un seau d'eau lancé sur moi. Eh bien, tu te sens propre? Honnêtement, je crois que je me sens encore plus sale maintenant. Tu es vraiment mouillée? Bah, c'était mieux qu'autre chose. C'est ton tour. Celle-ci. C'était du sucre. Le sucre est aussi utilisé dans les gâteaux. On dirait que quiconque nous a enfermés ici veut faire de nous un gâteau. Des ingrédients sucrés, des portes de couleur. Ça te rappelle quelqu'un, Alice? Léona? Ses cheveux sont brillants. Non, qui a mangé des sucreries, s'habillé avec des couleurs vives et relevé des défis? Moi, j'aime ça. Non, réfléchis. Tous ces signes sont ceux d'un clown. Oh, c'est vrai. Comment n'avons-nous pas deviné? C'est son style. Clown, nous savons que c'est toi. Avoue-le. Oui, montre-nous la sortie. Vous n'avez pas à savoir qui je suis. Il suffit d'ouvrir une porte et de trouver la sortie. On dirait qu'il ne veut pas nous montrer, mais nous connaissons ses astuces maintenant. Les gars, si vous pensez aussi que c'est un clown, mettez des likes. Nous verrons combien d'entre vous sont présents. C'est mon tour. J'espère que je pourrai sortir par cette porte. Oh, c'est dégoûtant. Pas si pire que ça. Qu'est-ce que tu dis? Il s'agissait d'une litière pour chat. Oh, c'est pas vrai, dégoûtant. Amelka, ouvre la porte d'à côté. J'ai hâte de prendre une douche. Tu ne pourras pas sortir. Amelka, je m'en fiche. J'ai du caca de chat sur moi, alors ouvre la porte. Celle-ci n'a pas l'air si pire. Voyons ce qu'il y a derrière cette porte. Oh, regarde, c'est de l'argent! Félicitations, vous avez ouvert la 21e porte. Laissez tomber vos félicitations. Ce qu'on veut, c'est la sortie. Des portes colorées, des gâteaux et des confettis, c'est certainement un clown. Je me fiche de qui il s'agit. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. J'ai choisi cette porte. Mais qu'est-ce que c'est? Une grenade fumigène. Elle crée un brouillard dans lequel rien n'est visible. J'arrive pas à voir les portes à cause de la fumée. Comment on va sortir? Il faut attendre que la fumée se dissipe. Et moi qui pensais que nous arriverions à sortir d'ici. C'est bon maintenant. Oui, on dirait que la fumée s'est dissipée. Nous pouvons enfin continuer. Souviens-toi de cette porte et ne l'ouvre plus jamais. Je la déteste. Je suis d'accord. On en a assez d'une bombe fumigène. Que ce soit la sortie. Sortie. Ouais, j'ai trouvé la sortie. J'arrive pas à le croire. Amelka, ne me laisse pas ici toute seule, je t'en prie. Je suis désolée, mais les règles sont les règles. Je dois sortir, Alice. Eh bien, ils m'ont laissée ici toute seule. J'ai pas besoin d'attendre mon tour maintenant. Je peux ouvrir une porte tout de suite. C'est certain qu'après ce défi, tout devra être jeté. Oh, regardez mes chaussures. Oh, j'aime bien le sarrasin, mais pas comme ça. Ça ne va pas très bien avec une litière à chat. Oh, des pommes de terre. Et après, des escalopes. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est fini. Ça y est, j'en peux plus. S'il n'y a pas un moyen de sortir par cette porte, je vais rester ici. J'ai plein de nourriture et de l'eau aussi. Sortie. Hourra, j'ai trouvé la sortie. Les amis, aimez cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Et pendant ce temps, je vais aller sous la douche. Au revoir tout le monde.